Gracia est arrivée avec nous à 13 ans en 5e. C'est la 5e saison qu'elle est avec nous. Très très vite, elle est arrivée à un très bon niveau régional. Elle est entrée dans ce parcours au niveau en sport adapté à partir de septembre 2020. Elle a commencé les compétitions internationales dès sa première année en sport adapté. Et elle est dans les 10 meilleures filles mondiales. Je viens de finir les championnats du monde Virtus. J'ai fait médaille d'argent deux fois. J'ai fait plusieurs fois championne de France, j'ai des records de France, j'ai fait championne d'Europe jeune, ben, j'en suis là au niveau. Et puis ensuite, mes ambitions, ben, là, c'est Paris 2024, forcément. Et là, elle a ramené 5 médailles sur ce championnat-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a une médaille d'argent sur un 100 dos, qui est une épreuve qu'elle pourra nager aux Jeux paralympiques si elle est sélectionnée, puisque là en ce moment elle est sur un parcours de sélection paralympique. Elle a des temps à faire jusqu'en janvier 2024 et après janvier 2024 le comité de sélection se réunit et donne les noms des athlètes qui pourront participer aux Jeux paralympiques en fin août et septembre 2024 à Paris. Des phases où forcément c'est compliqué, c'est là où on sait vraiment ce qu'on veut en fait. Parce que quand on est au plus bas, c'est tellement simple de dire j'arrête tout, je veux tout arrêter, tout ça. Mais c'est là, je pense, où on voit les vrais sportifs, c'est quand on continue, quoi.